Je décide de revoir un petit peu l'antivirus, d'AirWeb Antivirus, sur Windows 11 Famille. Donc je l'ai installé, je vous ai pas fait voir, je vous ai épargné l'installation, etc. Pas de souci, ça s'est bien passé, ça a été rapide, plus rapide que Avira Antivirus, la version gratuite, parce que là c'est extrêmement long Avira, je ne comprends pas d'ailleurs, pourtant ils ont quand même une bonne technologie les Allemands, mais là, si vous comparez avec Avira Antivirus, bordel, vous pouvez multiplier par 10 fois le temps d'installation. Hein. Donc là je mets à jour l'antivirus. J'ai obtenu une licence, la version démo de 1 mois, j'ai obtenu une licence. Il y a eu juste un petit conflit de licence. Il me disait impossible d'obtenir une licence, c'est parce que j'avais simple wall, le pare-feu simple wall, qui était activé en temps réel. Et comme AirWeb Antivirus, là, il a un pare-feu en temps réel, eh bien, les deux entrées en conflit. Donc il a fallu que je désactive simple wall. Donc là, on me demande de redémarrer maintenant... Ouais, allez hop, on va faire 30 minutes. Hein. Aucune mise à jour n'est requise, ok. Donc grosso modo, hein, si je vous fais voir l'interface, bon, il n'y a pas de changement. Hein. On va faire ça, centre de protection. Alors moi, je n'ai pas de souci avec AirWeb. J'ai abandonné sur mes 4 ans que j'ai eu sur plusieurs PC, je l'ai juste... On va dire mis de côté, c'est pas que j'ai abandonné, c'est-à-dire que j'ai mis de côté AirWeb. Comme c'est un antivirus made in Russia, monsieur Poutine, je me suis dit, bah ça craint quand même. Voilà, ça craint pour mes données, etc. J'ai pas envie de me faire berner, on sait jamais. Donc grosso modo, l'interface, il n'y a pas eu de changement depuis la version, on va dire, 12. Donc je vous fais voir grosso modo, hein. Voilà, c'est comme ça, statistiques, machin, si vous cliquez là sur la roue crantée. Voilà ça, à chaque fois que vous voulez changer quelque chose, il faut déverrouiller ici le cadenas, sinon vous ne pouvez pas. Ça, c'est normal, c'est marqué ici, cliquez pour effectuer des modifications. Vous avez aussi les paramètres avancés à ne pas négliger. Si je clique là, vous voyez, ça développe un peu plus. Donc ne négligez pas ici les paramètres avancés. Et comme je vous dis, il faut cliquer pour tout déverrouiller pour changer. Donc moi j'ai ajouté en exclusion volontairement mon dossier download parce que je télécharge des cracks malgré que AirWeb ne m'a signalé aucun problème dans mon dossier download parce que je télécharge quand même sur un site fiable. Même si c'est fiable, je fais toujours analyser ce que je télécharge, je les compresse et j'envoie ça à AirWeb et Kaspersky sur Kaspersky Virus Desk. Alors il est testé par rapport à leur base virale et il est aussi exécuté en sandbox. Donc il faut attendre quand vous allez sur le site Kaspersky Virus Desk. Il faut aussi attendre dès que vous avez la notification comme quoi que c'est malveillant ou pas, soit c'est vert, soit c'est rouge. Vous descendez un petit peu la fenêtre et vous allez voir une roue qui tourne, un rond qui tourne, un peu comme Windows quand ça démarre. C'est pas des petits points. Hein. Et là c'est marqué analyse... Cloud machin, c'est marqué en anglais. Donc grosso modo, il tourne en sandbox chez eux et il est analysé, on va dire, un peu plus profond. Alors ça dure quand même 2-3 minutes, mais ça vaut le coup d'attendre parce que des fois, on peut avoir des choses dessus. Ben, ça tombe bien, le pare-feu se manifeste, vous voyez que ça marche bien. Donc comme vous me connaissez, j'ai mis le pare-feu que ça me demande à chaque fois. Là, c'est setting Windows. Hop, je vais le bloquer pour une fois. Il n'y a pas besoin que Setting se connecte sur Internet. Bref, c'est comme ça. Il n'y a pas eu trop de changements. Comme je vous ai dit, je vais vous épargner tout ça. Alors, Windows Defender Smart Screen. Je vais autoriser. Là, c'est pas grave. Analyse complète, machin. Bon, ça, je le ferai à la fin. Hein. On peut même faire rapide. Hein. Je vais lancer une analyse rapide. Et comme je vous dis, j'ai mis le dossier, mon dossier download qui est là, je l'ai mis en exclusion. Normalement, il n'y a rien dedans, hein. Ça ne m'a signalé aucun... Ça m'a juste signalé, pardon, voilà, téléchargement. Parce que, voilà, j'ai eu des choses, voilà, je télécharge des fois des cracks, etc. Alors, j'avais déjà analysé donc ce PC, y compris le dossier download avec ici, AirWeb Curate.
Donc je l'avais déjà fait, il m'a simplement signalé ici Yobit Uninstaller, la version officielle qui est gratuite normalement, oui c'est Yobit Uninstaller la version gratuite ici. Il m'a simplement signalé application indésirable, parce que la société Yobit, si vous voulez, quand vous, dans son interface, si vous bloquez pas le logiciel avec le pare-feu, dans son interface, vous pouvez recevoir des petites notifications ici en bas à droite, c'est de la publicité, pour que vous puissiez acheter un logiciel payant chez eux, ou quand vous le désinstallez, ça va vous proposer autre chose. Et des fois, si vous cliquez, vous faites pas attention et vous cliquez sur oui, du genre oui désinstaller, mais en fin de compte, c'est plus le oui, ok, oui, désinstalle-moi Yobit, mais oui, installe-moi un autre truc. Donc c'est pour ça qu'elle est, que DRWeb me l'a signalé, non malveillante, attention, mais une application indésirable. Alors ce n'est pas un adware ni rien, c'est une application, on va dire, non recherchée. Donc voilà, c'est tout ce qu'il m'avait signalé. De toute façon, Yobit Uninstaller, je l'ai mis comme ça sur, sur cette machine virtuelle Windows 11, c'était simplement pour le tester, pour faire voir. Et de toute façon, je vais le supprimer. Là, à mon avis, il va me le signaler, c'est sûr et certain, puisque ça va quand même scanner les dossiers Programme File et compagnie. Et vu que je ne l'ai pas mis à exclure, le dossier Programme File, à mon avis, là, il va me détecter Yobit. Mais de toute façon, je vais le désinstaller, puisque moi, je me sers de Bullcrap Uninstaller quand je désinstalle des applications. Parce que je trouve quand même qu'il fait, on va dire, un bon petit nettoyage dans le registre et aussi des résidus. Sachant que c'est Bullcrap Uninstaller, il est gratuit. Faut pas vous attendre non plus à ce qu'il enlève tous les résidus. Hein. Il en laisse un petit peu, voilà. Il va peut-être en laisser à 20%. Des fois, c'est à 25%, voilà. Mais c'est plus 20%. Après, il faut vous tourner vers des logiciels payants. Auquel cas, là, quand vous installez, il faut le mettre en route, etc. Que ce petit soft qui sert à désinstaller et aussi à installer, qu'il puisse mémoriser tout ce que ça fait. Et là, ça marche, on va dire, pas trop mal. Ça peut laisser des traces aussi, attention. Bref, je vais lancer, donc je fais un scan, je mets en pause. Il n'y a pas de trucage chez moi, pas comme chez certains. Aucun trucage chez moi. Il est 17h25, on est le 5/09/2023. Je mets en pause le temps que ça scanne et vous allez voir. Donc, comme je vous disais, je suis bel et bien sur VirtualBox, hein, Windows 11. Ça, c'est mon Windows 10 et ça, c'est Windows 11. Donc là, c'est toujours en train de scanner. Comme je vous disais, il me signale RiskWar. Donc, c'est bel et bien Yobit. Voilà, une installeur. Alors, on a ici. Alors, on a des points système, DLL, DLL. On a aussi carrément Yobit, une installeur exécutée. Et ici, UI, service exécuté. Donc je ne vais pas mettre tout ça en quarantaine, parce que là il va me proposer de mettre ça en quarantaine. Parce que si je mets ça en quarantaine, je ne vais plus pouvoir désinstaller Yobit, puisque le fichier Uninstaller, ben, il aura été déplacé. Donc comme je vous dis, il n'y a absolument rien. Je vais faire un stop. Voilà, êtes-vous sûr de vouloir interrompre? Oui. Voilà. Je ne vais pas cliquer sur neutraliser parce qu'il va me dire de déplacer. Et je ne vais, vais pas non plus déplacer tous les trucs. Oui, je suis sûr de vouloir fermer le scanner. Voilà. Bon, bref, c'est bon. Alors, on va voir si ça, comme je vous dis, hein. Maintenant, si je lance CCleaner, normalement, il va vouloir se connecter à Internet, CCleaner. Normalement. Voilà, hop. Donc, vous avez vu, ça marche bien. On a bel et bien le pare-feu qui réagit. On va créer une règle. On va faire ça. Donc c'est cleaner. On va faire bloquer ici. Alors on a aussi host process for Windows Service. Et là. Alors le chemin, moi je regarde le chemin. On a c'est Windows System 32 SVChost. Alors c'est là que je comprends pas trop, parce que là, si vous voulez, donc le pare-feu s'est manifesté parce que j'ai activé CCleaner et il me dit bien nom de l'application ici,
CCleaner, mais là je comprends pas pourquoi il me dit host machin qui n'a rien à voir avec CCleaner. Bon, bref, c'est pas grave. Là je suis obligé, parce que voilà, je peux pas cliquer sur OK, donc je suis obligé de prendre une décision. Mais là, comme ça n'a rien à voir avec CCleaner, je vais faire autoriser. Et par contre, je bloque bien CCleaner. Donc là, c'est bon, ça fonctionne. Si j'ouvre Whiskar 365, normalement, ça va se manifester aussi. Parce que ce sont des logiciels qui demandent qui veulent se connecter à Internet à chaque fois que vous les lancez. C'est assez souvent. Voilà, hop. Whiskar. Alors, créer une règle. Là, pareil, on a plusieurs choses. Alors, celui qui me dit que... Alors, on a Whiskar. Whiskar, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de... D'ailleurs, je crois que je me suis trompé sur CCleaner, la règle. J'ai mis une règle en autorisé. Je crois que j'aurais dû de ne pas l'autoriser. Parce que là, Whiskar, il essaye d'utiliser Windows Explorer, apparemment. On va bloquer. On va tout bloquer, c'est pas grave. Parce qu'apparemment, c'est lui, c'est Whiskar qui essaye de se servir de ça. Au niveau du pare-feu. Donc on va tout bloquer, je vais tout bloquer. OK. Je vais fermer. Si je relance. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir se manifester. Alors désolé, hein, la résolution de mon écran, ça fait ça. Si vous remarquez bien, c'est un peu gros, les fenêtres sont grosses, etc. C'est parce que sur ce Windows 11 là, machine virtuelle, donc sur ce Windows 11, je n'arrive pas à ajuster la résolution d'écran pour que ça fasse moins gros. Je ne sais pas, ça ne veut pas. Bon, bref, c'est pas grave. Par contre, je vais remodifier la règle dans le pare-feu. Fichier réseau. Pare-feu, voilà, si je clique, ça ne me... Voilà, il faut que je clique ici pour modifier la règle. Règle pour les applications, modifier. Alors, c'était lequel déjà? Je ne me rappelle plus maintenant. Whiskar 365. Ah oui, ici. Alors, quand vous mettez la flèche de la souris, c'est détaillé. Type de règle pour le lancement d'application. Type de règle. Mais pourquoi je ne suis pas en rouge là? Non, j'ai dit. Pourquoi il me l'a mis en vert? Modifier. Lancement des applications au réseau. Pourquoi il me l'a mis en autorisé? Non, je veux bloquer moi. Accès aux ressources réseau. Bloquer tout. Bah, c'est bizarre, tout à l'heure je l'ai mis. J'ai mis bloquer. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Ça, c'est quoi ici? Contrôler mes trucs gagnants. Alors vous avez chaque onglet qui correspond donc à ce que vous avez attribué, hein, du vert, du rouge ou cette espèce de d'icône là. CCleaner, mais pourquoi il me met CCleaner? Pourtant je l'ai bloqué. Ah, CCleaner, je l'avais bloqué. Alors là il est bien en rouge ici, mais pourquoi j'ai plusieurs fois CCleaner? Alors attendez, on va faire ça. Bloquer. Bloquer tout, bloquer, bloquer, bloquer. Moi je bloque. Je ne comprends pas pourquoi j'ai plusieurs fois CCleaner. Alors CCleaner, ah oui, c'est programme file, CCleaner. C'est programme. Ah oui, il y a plusieurs. C'est parce qu'il y a plusieurs fichiers exécutables. Bloquer tout, bloquer tout. Ouais, moi je bloque tout. Moi je m'emmerde pas, moi je bloque. Voilà, Whiskar, c'est bon.
Windows Explorateur. Pourquoi il me l'a mis en rouge là? Ça c'est tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, cette règle-là, je vais la supprimer. C'est pas grave, je recommencerai pour l'explorateur. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est mes logiciels. Alors, contrôler les modifications, ok? Donc, contrôler les modifications, je suis en vert. Bloqué, bloqué. Voilà, ça c'est bon. CCleaner, c'est bon. Oui, c'est parce qu'il y a deux fichiers exécutables chez CCleaner. Il y a le CCleaner.exécuté et il y a CCleaner64.exécuté, c'est pour ça. Mais je ne sais pas pourquoi tout à l'heure, soit j'ai pas fait attention, ou soit il y a un problème dans le pare-feu, comme qu'est-ce que je dis moi, dans le pare-feu d'AirWeb, parce que moi je n'ai vu qu'une fois CCleaner. Alors j'ai peut-être pas dû faire attention au chemin. En tout cas, si ça vous arrive, bah, il faut venir ici hein, pour le faire. Donc ensuite, hop, je vais refermer le cadenas. Bon, là, c'est bon. Alors, si je lance Yobit, par exemple. Bon, on s'en fout. De toute façon, je vais le désinstaller. Si je lance Bulk Crap une installeur. Mais pourquoi il m'affiche pas les icônes? Bordel. Ah, j'ai déjà réglé ça. J'ai dit de tout m'afficher les icônes. Bordel. C'est dingue ça. Afficher les icônes, bordel. Tout à l'heure, je l'ai réglé, dis donc. On voyait plus le signe d'AirWeb et je l'ai mis. Il s'est rebarré. Alors, je sais pas si c'est un bug de Windows 11. Bon, rien à voir avec AirWeb. Hein. Ça, c'est le système Microsoft Windows. Donc comme je vous disais, je vais désinstaller Yobit parce que de toute façon je m'en sers pas, c'était juste pour le tester. Bon, sur ce, je vais vous spécifier une autre petite chose et puis après je vais m'arrêter là. Donc là par exemple, moi j'installe sur tous mes PC RecSecure. Donc je vous en avais déjà parlé dans mes vidéos depuis pas mal d'années. Donc vu que AirWeb, si vous voulez l'antivirus AirWeb, il empêche aussi, il protège quand même le registre. Surtout au niveau des applications. Et comme RecSecure, lui, eh bien, il est fait pour le registre Windows. Donc, AirWeb protège donc le registre. Et là, il se trouve que j'utilise RecSecure, qui est là, et j'ai eu un message comme quoi que je ne pouvais pas supprimer, en fait, bon, je ne pouvais pas supprimer la clé de registre Yobit, une installeur, parce que justement, AirWeb s'est manifesté et il me disait que l'objet est protégé par l'agent, hein, l'agent en question. Donc, pour ce faire, normalement, il faut aller ici. Donc, vous double-cliquez sur l'icône ici en bas. Vous allez sur centre de protection. Oui, je t'ai dit oui, centre de protection. Là, vous déverrouillez directement le cadenas, ce sera mieux. Là, vous faites oui. Et ici, vous allez ici sur protection préventive, contrôle de l'activité des applications tierces. Et là, vous avez ici analyse de comportement. Donc, vous cliquez dessus. Ça n'a rien à voir. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez déjà des règles niveau de protection, ici. Alors, si vous ne savez pas trop, vous ne touchez pas, vous laissez par défaut. Donc, vous avez déjà des règles. C'est soit sur demander, bloquer, autoriser. Alors, je vous invite à lire. Hein. Alors tout n'est pas facile. Même pour moi, il y a des choses qui ne sont pas très faciles. Et vous allez ici directement dans accès des applications. Et là, vous avez ici marqué exactement ce que ça veut dire. Donc configurer les paramètres d'accès des applications différents objets protégés par des web. Les applications pour lesquelles ces paramètres ne sont pas configurés vont fonctionner en mode de niveau de protection sélectionné. Donc ça veut dire quoi? Les applications pour lesquelles ces paramètres ne sont pas configurés, donc ici, si vous n'avez pas ajouté d'application, ça va fonctionner tel que c'est là. Donc si vous voulez, par exemple, que justement RecSecure puisse faire des choses sans avoir un message comme quoi que bah, c'est protégé, vous ajoutez donc RecSecure. Donc pour ce faire, vous cliquez sur le plus. Vous allez chercher ici, parcourir, vous lui indiquez l'exécutable justement de votre logiciel,
Donc pour ma part, il est là, je l'ai fait. Donc si je double-clique dessus, je lui ai dit par exemple intégrité des applications en cours d'exécution. Moi j'ai mis sur demander. Fichier host, j'ai laissé sur bloqué. Accès bas niveau du disque, j'ai mis demander. Téléchargement de pilote, j'ai mis demander. C'est à vous de voir ici. Alors, justement, moi j'ai mis comme ça. Alors, j'ai pas touché à tout, hein. J'ai simplement modifié parce que quand vous allez mettre donc ajouter RecSecure par exemple, ça va déjà être configuré sur certains trucs. Ça va déjà être configuré. Je peux pas déplacer la fenêtre là. Ouais, c'est un peu dommage. Bon, je peux pas déplacer la fenêtre. Ça va être configuré comme les règles prédéfinies. Donc, c'est à vous de regarder ici et d'ajuster. Alors, il y a certains trucs que je sèche dessus. Là, il y a marqué autodémarrage de politique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, j'ai laissé surbloquer. Paramètres de session, manager, etc. Bon, sinon, je vais tout mettre sur demander. On va voir. C'est pas grave. Je vais tout sur demander. Comme ça, au moins, j'aurai juste à lire. Je vais tout mettre sur demander. Parce qu'il y a certains trucs qui sont surbloqués. Mais là, fichier host. Bon, ok, bloqué par rapport au fichier host. Mais de toute façon, RecSecure ne touche pas au fichier host normalement. Mais c'est pas grave. Si vous êtes un petit peu connaisseur, ben vous mettez, hein. Alors normalement, j'aurais pu laisser fichier host, vous voyez, par rapport à RecSecure. Moi, je vous parle par rapport à RecSecure, hein. Fichier host, j'aurais pu le laisser sur bloqué. Mais c'est pas grave, je mets tout sur demander. Et puis là, surtout, vous validez par OK. Après, vous pouvez fermer directement. Si vous fermez directement, automatiquement, ça va fermer le cadenas. Pareil, regedit, j'ai mis le registre pour pas que ça m'embête. Donc j'ai mis comme ça, accès bas niveau au disque. Là pareil, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, il faudra que je regarde sur internet. Bon, j'ai mis, je vais quand même mettre sur demander, téléchargement du pilote. Je vais mettre quand même ça, mais normalement, regedit, il n'y a aucun rapport avec téléchargement du pilote. Fichier host, je vais mettre quand même sur demander. Alors je fais l'essentiel, je fais ce que je connais, hein. Il y a des choses, paramètres de WinLogon, ça je ne sais pas ce que ça veut dire. Autodémarrage, association de fichiers exécutables. Association de fichiers exécutables, je vais mettre sur demander. Alors vous voyez, je fais un peu ce que je connais. Paramètres de session manager, on va faire demander plutôt. Service système, on va faire plutôt demander. Le reste, c'est bon, je fais OK. Donc si vous avez le moindre problème, vous avez un message avec DRWeb comme quoi que c'est bloqué par le dispositif. Là, en quelque sorte, j'utilise donc RecSecure. Et si vous-même vous utilisez une application qui est capable de modifier les paramètres système et le registre, tout dépend de l'application que vous connaissez, si vous utilisez un autre logiciel pour le registre, si vous avez DRWeb, donc antivirus, si vous avez un message d'erreur et ça refuse, eh bien c'est parce qu'il faut ajouter ici votre logiciel et configurer comme je viens de vous faire voir. Donc comme je vous dis, soit vous refermez le cadenas ici, ou vous fermez directement la fenêtre. Et puis ça va automatiquement fermer le cadenas. Donc maintenant je recommence. Donc là, vu que j'ai supprimé YoBit Uninstaller, par contre je n'ai pas pu le supprimer par le désinstallateur normal parce qu'il me disait manque, je sais plus, il y avait un DLL ou je sais plus, un truc comme ça. Alors je sais plus c'était quoi le message, ou c'était avec 120, je sais pas quoi, manque machin 120 là. Bon, bref. C'est un message que je ne vais pas dire souvent on retrouve sur Windows, mais ça peut arriver. C'est genre manque un truc 120 DLL, je ne sais plus quoi. Alors, si je fais ouvrir, vous voyez, YoBit Uninstaller, il est là. J'ai encore des traces dans le registre. Donc là, je suis dans le registre Windows. Mais moi, vu que j'ai désinstallé YoBit, enfin, j'ai supprimé les fichiers manuellement parce qu'il ne voulait pas se désinstaller. Maintenant, il faut que je supprime les clés de registre et les dossiers. Donc, on va voir si ça marche. Est-ce que j'ai le message? Ah voilà, autoriser le processus à modifier. Oui, autoriser. Ah voilà, c'est bon, ça marche. Donc vous voyez, j'ai bien fait. Donc si vous avez un message comme quoi que c'est bloqué, eh bien il faut faire comme je vous ai dit. Il faut aller donc dans ce que je viens de vous faire voir, mettre éventuellement sur demander. Là, pareil, normalement, c'est bon. Supprimer parce que voilà, autoriser le processus à modifier l'objet. Oui, autoriser. Et là, voilà, donc ça marche. Ça fonctionne. Donc là, j'ai plus qu'à supprimer les clés de registre manuellement.
Donc je vais arrêter là pour l'instant pour Dareweb en 2023, on va dire. Je vais arrêter là, je referai une vidéo. Je vais regarder un petit peu s'il y a des changements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, sachant que les commentaires sont filtrés et ne se voient pas en temps réel. Il faut que je les valide. Si votre message, vous ne le voyez pas sous, on va dire, sous une semaine, on va dire, hein, parce que des fois, je ne vais pas sur Internet. Là, en ce moment, j'ai un petit peu de temps, donc j'y vais un petit peu. Si vous ne le voyez pas au bout de 7 jours, ah ben, ça veut dire que je l'ai considéré comme indésirable. Après, je ne supprime pas tous les messages. Hein. Certains petits malins veulent essayer d'outrepasser leur vrai compte. Mais comme je ne suis pas si bête que ça, eh bien les messages ne se verront pas. Après, tout dépend de la question, etc. et du commentaire. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant. On va dire que ça va être la vidéo number one de Dareweb antivirus 2023. Et par contre, c'est... Alors c'est quelle version là? Attendez que je regarde. Ah, c'est la version 12, voilà. Dareweb Security Space 12, voilà. Bon. Donc je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.